un, c'est qui ressemble à un 4-3-3 hein, avec Ayé Kevin. Qui a été formé à la SEC d'Abidjan oui, et qui a rejoint rapide. Le On va surtout tabler sur ce garçon. Côte d'Ivoire, voici le cap 5-1 proposé par Rigo Gervais du côté du Stella. Oui, avec Modibo hein, et Ayé en défense centrale, après qui a fait énormément de bien en début de saison. Son gardien Zongo Baba qui n'a aucune peine à effectuer ce dégagement. Ballon bien repris par Kone Modibo et le Stella. Qui a mis le pied sur le ballon, hein, le Stella depuis quelques minutes. Ah, le Stella justement, il fait tourner ce ballon. Pied maintenant de Samuel Kanga. On joue au petit trot, ça n'avance pas beaucoup. Aïe Kevin. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de mouvement. 66 minutes. Ça va repartir pour le Stella Club. Quadio éloge. Avec beaucoup d'autorité de la défense de Boaké, de Saïdou Junior Diakité. N'oubliez pas tous ces résumés depuis le samedi jusqu'à aujourd'hui même, le dernier match. Ojo Mohamed 0-0 entre le Stella et Bafing. Ojo Mohamed va entrer. Le jeu va reprendre. Koyo pourra enjailler Kevin. Il va envoyer un ballon dans la profondeur. Oula. D'une part, le Stella et a augmenté, a créé encore le doute dans la tête des joueurs, de l'Asie d'Abegourou. Koyo Wilfried. Ça va repartir pour les Magnons. Merci. 30 minutes. Les frappes. 0-0 entre le Stella Club et Bafing. Allez, on va revenir avec cette équipe du Stella Club. Voilà encore. Un ballon. Et à travers le travail, voilà, on a pu marquer au moins 4 buts. Un bon score pour vous, hein. C'est le plus lourd score depuis le début de l'ouverture de la saison. Oui, vous voyez, aujourd'hui on est récompensé par nos efforts de la dernière fois. Je crains que si cette équipe de Stella revient, elle sera en confiance et ça peut être difficile après pour les Petroussiens. Après pour nous, messieurs, on va se régaler quand même. Tout à fait. Le meilleur choix en allant chercher ce garçon, c'est vrai qu'il a entraîné la SOA. Et qu'il est à son deuxième club de Ligue 1, mais voilà les résultats pour l'instant. C'est vrai que ce n'est que la troisième journée. Oui. À la SO, il était surtout l'entraîneur de. Le départ de l'autre, il a. Oui, il a coaché quelques matchs. Justement, il est monté d'un cran. Placé tactiquement, il saura que dans le petit carré, tout va se passer là-bas. Merci, coach. C'était un ballon pour le Stella. Le ballon de Kone Modibo. Petit courant lui a redonné. En parlant des jeunes, Carlos, il y a un qui en a fait beaucoup de frais au début. Celui-là, de demeurer, on va dire, invaincu dans ce championnat. Oui, ils ont zéro défaite. J'ai envie de dire mieux joué. On va trouver Kone Khalil, côté Stella. Ballon dans les pieds. Le Tegei, Aïe, trouve dans le milieu de terrain. Et heureusement qu'il a mal repris. Heureusement, parce qu'ils ne sont pas vraiment en place là cette fois-ci. Allez, ça, c'est une belle possibilité de contre de la part des garçons de Korogo. On va jouer dans la profondeur pour Bolibi. Patrick, Bolibi. Non, il ne prendra pas de coup. Oh. Défenseur. Il va d'ailleurs, oui, n'a pas réussi parce qu'il avait la possibilité de faire mieux que ça. Voilà, il essaie de garder le ballon. Après, il est pris là. Et comme il n'est pas content, il descend. Il a envie, mais ça manque de lucidité. C'est le go. Il a envie, il a tellement envie qu'il faut. Bamba. Il manque de lucidité. Yabouri Yedou tient pour Bamba Lassine. Bamba Ladji. Il a devant lui Ange Kevé Aïe. Ah non.
qui ne prend pas la direction des poteaux. Tola. C'est reparti avec Baffing. Ce ballon de Baffing. Le QA Célestin. Et Kaba va perdre ce ballon. Kone avec Tarnada. Ça ne passe pas. Il va tenter donc d'alimenter. Ou autre, Patrick. Aïe Kevin. Il demande ce ballon Traoré échec. On les voit, il y a moins de solutions. Baffing. Qui a du mal en début de saison de retrouver son football. Absolument. Ce football champagne que Dualal leur a habitué, il faut le dire. Attention à Kone. Aboulaye. Zongrana. Kramo. Dans la profondeur, il cherche Sankara Karamoko avec Aye. Ils ont perdu, mais c'est très chaud entre ces deux jeunes. Un bon combat entre les jeunes. Attention à la retombée du ballon. C'est une possibilité pour la formation. Il est passé. Il a trouvé numéro 4 de cette formation au prix Lago. Il n'y avait personne dans la surface de réparation. Le 6. Je crois bien qu'il y a une faute. L'arbitre va laisser continuer. Bahi Moïse. Allez, ballon récupéré par Zouzoua. Aïe, la passe n'est pas arrivée. Formateur, l'ASEC est averti, surtout que mercredi, le Lys affrontera l'ASEC Mimosa. Monsieur, déplacez-vous encore, c'est encore lui. Wotro Patrick, le fautrait à ce diable de Wotro Patrick. C'est une attaque. Khalil Kone, à cette roue, c'est trois joueurs de l'Azila Benguru. Le surnom va peser Traoré Salif maintenant. On essaie d'envoyer ce ballon, ballon loupé. Tikoura Koulibaly. Vous savez, on a du mal nous autres à voir le sang, ça nous fatigue un peu, mais voilà. C'est le métier. Attention à ce ballon. Lazine. Côté styliste, Drissa Diarasouba. Un ballon pour Baffing qui essaie de repartir maintenant. Possibilité pour le Stella. Babi Donald. Et ce sont les derniers ballons. Est-ce sauver l'honneur? On revoit ce ballon et ce dégagement monte beaucoup. On va essayer de conduire ce ballon. Il n'y a pas de but après 13 minutes. Puis Wilfried. Cette équipe d'Élise Sassandra pour venir solidifier davantage cette défense. Wotro Patrick qui sollicite un 1-2. Il est rapide. Le centre de Wotro Patrick. C'est repoussé. Romaric. Attention, Sinaré. Sinaré, le centre, Thiago. Dégagé. Et c'est Odjo Mohamed. Il ne faut pas faire d'erreur là, quand même. Hein. Surtout pas à ces instants du match. Ouais. Là, tu mets le groupe vraiment en difficulté là. Ah, ce jeune défenseur central. Aïe, Kevin. C'est un clé. Avec Taoré. A dégagé avec Aïe Kevin en faveur de Magnon. Et voilà tout l'enjeu hein, pour cette équipe de... Les acteurs à la poursuite du seul ballon qui les réunit sur l'aire de jeu. 45 minutes pour faire la différence et avoir... Voilà, on manque de précision pour le moment.
Voilà, je ne sais pas si le Stella a décidé de nous donner le ballon. Au moment où nous avons le ballon, mais voilà, on n'arrive pas à bien les utiliser. Je crois bien que c'est le 22. Le 27, Cissé Mohamed. Tigui Herman. Cette équipe de jeu. La Cité Bengro. Qui passe maintenant le rond-point. L'équipe de l'Asie est beaucoup plus étalée. Vous voyez, sur 50 mètres, c'est trop large. Il faut que l'équipe soit vraiment en bloc. On ne peut pas faire un pressing tout seul devant comme il le fait l'attaquant de. Adam. Ballon coulissé pour Modibo Koné. On trouve Wilfried Kouyo qui va remiser sur Aïe Kevin. Kevin. Bon. Ça veut dire que l'adversaire est bien en place. Oui, oui, oui. Ils défendent très, très bien. Voilà, les deux attaquants vraiment font ce qu'il faut pour éviter que les relances se fassent facilement. Premier rideau défensif. Tout à fait. En tout cas, ceux qui ont vu Korogo jouer la saison dernière. Ah, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. De la part donc de ce joueur du Stella. Et il relance le machine défensive à les hommes venus d'Adjamé. Avec Aïe Kevin. S'appuie sur l'expérimenté Modibo Koné, lui aussi venu donc en provenance du Sporting Club de Gagnoa. Aïe et Kevin, quelle sérénité de la part de ce défenseur. On connaît les Maniens avec leur éternel vert blanc, mais aujourd'hui ils sont rouge et blanc. Il faut reconnaître que Bafing a un match en moins face. Pour les 45 premières minutes, Koné Diegbe, on espère avoir une belle partie de football aujourd'hui. Tout à fait. Parce que le Stella nous a habitués à marquer des buts. Tout à fait. Et l'Asie doit pouvoir s'imposer si l'Asie veut vraiment progresser dans le championnat. C'est un ballon. Beaucoup de changements, hein, notamment trois au niveau de l'Asie d'Abengourou. On va vous les donner. Il y a le gardien qui a été remplacé, Zombra Ousmane, qui a été remplacé par. Il est allé en Guinée, voilà, à la compagnie industrielle de Kamsar. Et puis là, j'ai appris dans la journée d'aujourd'hui. Au Stella, c'est déjà bien, il joue. Ah oui, c'est ce que certainement il voulait. C'est une bonne chose pour lui, on va pouvoir vraiment bien le voir. Ouais. Puis il y a le Chan qui arrive, mais il faut chercher sa place pour devenir international après. Stella, on va revenir avec ce ballon de Modibo Koné vers Aïe Kevin. Quand on voit le niveau physique dès la première journée, on se dit que cette saison, ça risque d'être très chaud. Oui. Oui. Surtout que les équipes ont fait pas mal de matchs amicaux. Beaucoup, ils sont bien renforcés. Et puis. Le cœur de cette défense du Stella pour gêner. Parce qu'il y a des approximations, on l'a vu. Cette défense, Stella, lui, il pourrait bien en profiter parce qu'il a cette lucidité-là. Il sent les coups. Modibo. Sila Mamadou qui n'a pas eu le temps donc de toucher à son premier ballon. Il a été surpris par ce petit rebond et ce diable de Wotro, Patrick. Modibo éloge et au final. Traoré échec. Ce ballon tourne toujours dans le camp du Stella Club d'Adjamé qui va enfin grandir le jeu. Pour le couloir. Salut Fou. Bonjour Achiraf. Qui se prépare hein, du côté du Stella et du Bogou et Lago Samuel. On va essayer de. Lago milieu défensif. Bonjour. En tout cas, il y a des minutes restantes. Donc